suis toujours émerveillé quand je vois les jeunes Congolais, surtout les jeunes qui étaient ici aujourd'hui, parce qu'ils sont tellement éveillés et qui viennent ici chercher l'éducation, ça me chauffe le cœur. Et c'est ça l'exemple, je pense, pour tout le pays. On est ici parce que pour nous, les Américains, l'éducation est importante parce que nous voyons l'éducation comme la meilleure façon de développer le pays, d'améliorer le pays, que ce soit ici, que ce soit chez nous. Alors c'est pour ça que nous soutenons des programmes d'éducation et surtout les programmes que nous aimons, qui apprennent l'anglais, l'école américaine, quand même, il y a les liens qui sont assez forts. Oui, en fait, je suis impressionné. Je suis impressionné parce que les enfants, les étudiants sont sérieux, les classes sont sérieuses, ils veulent réussir. Ils ont vraiment cette idée d'apprendre et de progresser. Et je pense que c'est ça qu'un pays a besoin pour progresser. Et en fait, nous avons beaucoup de programmes d'anglais. Et nous appuyons beaucoup sur l'apprentissage de l'anglais parce que c'est la langue internationale. Et nous avons des bibliothèques, nous avons des cours, nous avons des clubs d'anglais. Et nous proposons des bourses pour des gens pour venir étudier aux États-Unis. Il y en a très peu, mais qui sont quand même très prestigieux. Mais nous soutenons d'autres façons aussi, comme des visites, comme des livres. C'est ma joie et ma gratitude envers l'ambassade des États-Unis, et en particulier M. Eric Elliott, qui a fait le déplacement pour venir nous visiter ici. Et pour nous, c'est une marque de considération de ce que nous faisons. Nous représentons la culture américaine. Nous représentons aussi le peuple américain. Que les Congolais veulent devenir comme les Américains dans le sens éthique, dans le travail, dans la langue et dans le progrès. Et quand nous avons les enfants qui s'embarquent dans ce chemin, c'est très encourageant. Bien sûr, c'est une tradition. C'est une tradition. Il y a une semaine, j'étais avec M. l'ambassadeur et M. Elliott. Nous avons parlé. Il renoue notre confiance à notre programme. Cette année, nous avons 5 ou 6 élèves qui vont aller à Chicago, à Washington, en Floride, à Disney World, pour leur remercier et leur encourager dans leur travail. Cette année-ci, nous allons boucler par présentant les élèves aux examens d'État. Et depuis que nous sommes là, nous avons toujours 100% de réussite. Donc cette année, nous voulons aussi répéter la même chose, avoir 100% de réussite au CEP, au BPC. Et nous allons présenter notre première génération au bac congolais.